Bonjour à tous et à tous, alors c'est Stickhorn Ironcraft et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur comment apprendre à se servir du logiciel Tekne. Alors Tekne, tout d'abord qu'est-ce que c'est? Tekne c'est un logiciel qui permet de faire des choses en 3D et qu'on pourra exporter sur Minecraft. Donc c'est-à-dire par exemple, donc on voit ce qu'on peut faire avec Tekne, donc ce sont que des choses carrées qui ont un rapport avec l'univers Minecraft. Et tout ça, on pourra l'exporter sous format .java, donc qui est le Java qui est le langage de programmation de Minecraft, pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir ce mob en jeu directement. Vous voyez quelques créations, donc par exemple on a un dauphin. Alors on peut télécharger gratuitement le logiciel sur le site officiel donc de Tekne, donc c'est tekne.zux.me/tekne. Vous pouvez le télécharger, il est tout à fait gratuit. Et très léger, donc pas besoin d'avoir une configuration très grande. Donc voilà, alors là je l'ai lancé Tekne, donc vous pouvez voir un peu l'interface. Et dès qu'on lance Tekne, il nous propose directement de créer un nouveau modèle. Alors comme nouveau modèle, nous on va créer un chien, donc hop, on donne un nom au modèle, donc je vais l'appeler modèle dog. Puis il nous demande de nous il nous propose des bases. Donc c'est-à-dire des modèles déjà créés, donc ce sont les modèles de base de Minecraft. Alors il y a modèle base, c'est ce que moi je vais prendre. Alors modèle base, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en fait, il n'y a rien du tout, on va partir de zéro. J'aurais pu commencer par exemple, vu que je veux faire un chien depuis modèle wolf, mais si j'ai envie de vous montrer un peu plus. Donc après on a le choix des textures. Donc ça c'est la texture de la hauteur et ça de la largeur. Ou l'inverse, je sais plus exactement. Donc on va garder 64 pixels x 32, c'est des textures qui me semblent assez bien pour ce qu'on va faire. Donc dès qu'on a choisi tout ça, on fait create. Voilà, donc directement là, on a accès à notre plan, qui ne, à, nos pro, à notre projet Tekne. Donc vous pouvez voir à gauche l'interface de Tekne. Donc on peut choisir de créer un nouveau cube. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et après je vais vous parler de ce qu'il y a à gauche. Donc pour créer un nouveau cube c'est très simple. On va tout en bas à droite, il y a un tout petit cube qui s'appelle la fonction cube justement. On clique et hop, on a un nouveau cube. Alors tout de suite, en haut à gauche, je sais pas si vous vous en souvenez, donc il y avait select cube name, donc c'était il y avait 0. Donc là on peut lui en donner un. Donc moi je vais l'appeler on va l'appeler le corps du chien. Alors quand vous choisissez un nom, ne mettez pas de caractères spéciaux. Hein, seulement majuscule, espace, pas plus. Donc après il y a les dimensions du cube. Donc pour l'instant c'est un cube qui fait comme dimension 1 x 1 x 1. Donc c'est un cube de voilà de 1. Avec la position par rapport au plan qui est 0, 0, 0. Donc c'est les axes X, Y et Z, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Texture offset, offset et tout ça, on en parlera plus tard. Donc on va faire le corps. Alors on va lui donner comme dimension. Donc on va commencer à augmenter, donc on va mettre 10, voilà. Ensuite pour la hauteur, donc on va lui mettre 5. Largeur 6. Bon, ça fait un peu clébard obèse, c'est pas grave. Donc ensuite on peut modifier la position. Donc on va le faire tout de suite. Alors on se met en haut pour bien voilà, se cadrer. Hop, donc on modifie, on essaie de le centrer. Voilà, pour que ce soit bien plus pratique pour nous. Et après on peut baisser la hauteur. Alors j'ai oublié de préciser, mais ce cube que vous avez en bois, c'est un cube qui symbolise le sol dans Minecraft et la taille d'un cube normal. Donc ça nous permet de voir à peu près la taille qu'aura notre mob et de le positionner par rapport au sol. Donc il faudrait bien que les pattes touchent le sol et pas qu'elles soient là-bas par exemple. Donc là par exemple on aura un chien vraiment petit parce qu'il fait même pas un cube. Donc voilà. Donc voilà, on a notre chien. Et on va commencer par faire des pattes. Voilà, on va commencer par... Donc encore une fois, on clique sur le cube, crée un nouveau cube. Donne un nom, donc on peut directement éditer ici. Donc moi je vais l'appeler patte avant droite. Voilà, valide. Notre nouveau cube s'appelle patte avant droite, donc on va faire la patte avant droite. Donc on va lui donner des dimensions. Hop, je sais pas, je vais mettre 2. On va faire 2 sur 2. Et en hauteur, on va faire. Voilà, on va mettre 7, on verra bien. Donc encore une fois, j'utilise position pour modifier la position de mon nouveau cube, enfin c'est pas un cube dans notre cas, par rapport au plan. Donc je le modifie de le mettre à l'avant. Donc là
anatomiquement, excusez-moi, c'est pas très logique. D'ailleurs, ça touche pas le sol, mais c'est pas grave. Bon, il faut vraiment que ça touche le sol. Non, bon, on va le faire quand même parce que voilà. Voilà. Voilà, ça touche le sol. Par contre, petite astuce, mettez-les toujours à l'intérieur un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va étudier le cas de cette petite boule bleue que nous avons. Alors peut-être que certaines personnes l'ont compris, mais cette boule permet de modifier, en fait, cette boule, c'est l'axe de rotation de notre membre. Donc vous voyez, là c'est la patte avant droit. Et si on donne des fonctions, par exemple, comme c'est une patte, moi, quand je serai dans Eclipse et que je coderai, je donnerai un mouvement de pendule quand il avancera. Donc ça fera ça, en fait. Et donc là, en fait, c'est très mal positionné, puisqu'en réalité, la patte va bouger un peu de façon biscornue, par exemple. Si je veux que ça tourne, par exemple, de ce côté, ça va pas être bien, du coup, la patte va sortir, alors c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction offset. Alors cette fonction offset, elle permet de modifier, de déplacer uniquement notre partie et pas la boule. Du coup, on va modifier offset, hop. Du coup, vous voyez là. Ça se déplace mais pas la boule. Du coup on va la cadrer de façon à ce que ce soit bien centré par rapport à la boule. Voilà, là c'est nickel. Donc c'est-à-dire que l'axe de rotation est en plein milieu de notre membre. Ensuite on redéplace notre membre. C'est pour ça que quand vous créez une nouvelle partie, c'est mieux de faire directement de situer la boule pour pas être embêté après et de positionner après par rapport au corps. Voilà. Donc on a notre boule avec notre membre. Donc voilà, là l'axe de rotation c'est parfait. Alors pour le corps, je ne l'ai pas fait parce que le corps n'aura pas de rotation. Donc c'est pas important. Enfin, normalement moi je la mets toujours en plein centre. Hein. Mais bon là on va pas le faire parce qu'on n'a pas forcément le temps et puis c'est pas utile du tout. Donc là, on a notre membre avec notre point de rotation. Et on va faire la tête et je vais pouvoir expliquer les autres. Donc on crée un nouveau cube. Hop. Pareil, on donne un nom. Donc moi je vais l'appeler tête. Sans, encore une fois, sans caractères spéciaux. Alors on va le descendre, on va faire une tête de combien, je sais pas, 2 sur 3 sur 4, voilà, ça va faire vraiment une tête dégueulasse. Et on va la déplacer sur notre corps. Donc on va d'abord mettre l'axe de rotation. Donc on va le mettre pour la tête. Alors la tête, on va pas le mettre par exemple en plein milieu comme l'autre, on va le... Enfin pas par exemple, hein, faut toujours faire comme je vais faire là. C'est-à-dire qu'on va la placer à l'endroit de la nuque en fait, hein, là où il est censé avoir une nuque, hein, pour que la rotation soit la plus naturelle possible. Hein, le but étant quand même d'avoir une rotation plutôt jolie. Donc on déplace avec notre rotation, hop. On va l'avancer. Et voilà, donc on a une tête vraiment moche, hein, à la base c'était un chien quand même, je me rappelle. Donc voilà, on a notre chien. Avec une tête et un axe qui est bien placé pour la rotation. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va donner un angle. Donc c'est-à-dire que vous voyez là c'est le cube il est droit, il est pas, on n'a pas mis d'angle en fait à la rotation. Donc on peut utiliser pour mettre des angles et des rotations la fonction donc rotation. Alors on peut soit utiliser directement les valeurs qu'il y a ici, les modifier. Par exemple moi je sais ce que je veux mettre, je mets 45. Vous voyez la tête a un angle de 45 degrés par rapport à cet axe. Donc on va remettre 0. Et moi ce que j'aime bien c'est modifier à... Mince, mince, mince. Voilà, bon, on va faire un peu sauvage. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de rotation. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je modifie d'abord avec la molette. Pour avoir l'angle qui me plaît le plus. Donc là, on va faire regarder vers le ciel. Sachant que pour la tête, il faut généralement pas donner d'angle. Parce que c'est mieux de le faire en jeu avec une action. Par exemple, ça suivra le joueur. Tandis que si vous mettez un angle, eh ben, ça va pas faire beau. C'est-à-dire qu'il va avancer avec la tête toujours dans le même endroit. Donc voilà, on va donner un angle bizarre. Voilà. Et après, je mets des valeurs rondes. Parce que les valeurs comme ça, c'est pas très pratique. Donc au comme ça, ça économise un peu de la place, donc moins 25. Et là, moins 23. Voilà, donc on a notre tête avec un angle de rotation. Donc par exemple, là, pour la rotation que je fais par rapport à mon mode, au fait, c'est clic droit. Hein, pour... Donc voilà, on a notre net qui est plutôt très mal placé. Alors maintenant, on va s'attaquer à autre chose. Ce sera... Donc là, on a fini pour la partie apprentissage de cette partie, donc la partie 3D. Et maintenant on va s'occuper de la partie texture. Alors la partie texture, donc on a notre texture. Donc le fichier texture il aura cette tête. Alors vous allez me dire, oh là là, tout est empilé, c'est pas beau. Je suis d'accord avec tout, on va décaler. Et pour ça, on va utiliser la fonction texture offset qui permet de décaler les textures qu'on voit en haut à droite. Donc là je sélectionne celle du corps, donc c'est la plus grosse, sur les deux axes, donc X et Z. Donc là je vais déplacer
ma texture pour qu'elle soit libérée des autres et pas superposée avec les autres. Parce que si superposée, par exemple, là si je fais la tête, et bah, du coup si c'est superposé avec le corps, bah, il y aura la tête, la texture aussi de la tête sur le corps. Donc c'est pas ce qu'on veut. Enfin, sauf si vous voulez ça, mais bon après c'est votre choix. Donc nous, on va déplacer toutes les textures pour qu'elles soient bien espacées. Pareil pour la patte, donc la patte déjà elle est laissée passer, c'est pas grave. Alors mon petit conseil, c'est que quand vous créez des blocs, par exemple, on crée 4 cubes, donc ce sera les pattes, et on veut qu'elles aient les mêmes textures, les pattes, et bien on superpose les 4 dessus, comme ça si on modifie ça, ben les 4 auront la même texture. Bon après en fonction de l'angle, il faudra peut-être modifier. Donc voilà, on s'est occupé de ce qui prend des textures, maintenant on va... Donc on a notre projet, très beau chien, magnifique chien, avec la texture qui est nickel. Et on va l'exporter en format Java, donc pour pouvoir l'avoir in-game et texture. Donc on va commencer par texture. Alors pour ça, il faut faire File, Export as, Texture Map. On clique sur Texture Map. Donc on choisit où est-ce qu'on veut le faire exporter, donc qu'il soit où. Donc c'est une image.png hein, de base. Donc on va le modifier, on va l'appeler modeldog.png, donc on enregistre. Et si on va sur le bureau, donc là où j'ai décidé de l'exporter, on a notre fichier .png, donc c'est une texture qu'on pourra modifier quand on veut, donc je vais pas le faire maintenant, mais en gros on a ça en fait. Donc là ce sera la texture par exemple comme le joueur, pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça marche, eh ben, le joueur c'est pareil, il y a des textures qui sont placées et c'est qu'on colorie par-dessus. Donc là par exemple si je veux là, ça c'est les pattes, si je veux faire des pattes noires, eh ben, je mettrai tout en noir ou des couleurs dégradées pour avoir quelque chose de joli. Donc ça c'est les pattes, la tête et le corps. Donc on ferme et maintenant on va exporter. Donc on a 11 minutes, c'est pas mal. On va exporter notre fichier 3D en format Java, qui est le plus intéressant, donc qui nous permet de d'avoir notre mob in-game. Donc pareil, on va dans File, Export as, Java. On clique sur Java. Donc là, il nous l'enregistre en format Java. Pareil, on va le mettre sur le bureau. On va l'appeler modeldog.java. On enregistre. Donc il y a des sauvegardes automatiques hein, pour protéger vos créations, sachant qu'on peut sauvegarder à tout moment avec la fonction petite parenthèse, il suffit de faire save as, ça enregistrera le fichier .tekn à un endroit. Donc là on a notre .java, donc on peut l'éditer avec Notepad++. Bon évidemment le mieux c'est de le faire avec Eclipse. Donc là on a toutes les coordonnées de nos monstres et tout ça pour pouvoir le modifier. Donc en fait cet équivalent en texte, c'est l'équivalent Java de en gros, en jeu, ça rendra exactement ça. Donc par exemple, si je remplace ce fichier et que je le mets directement dans celui du creeper, et bien j'aurai un creeper qui aura cette tête. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut. Là, j'ai fait un truc à la va-vite pour vous montrer les fonctionnalités. Donc maintenant, on va fermer ça parce qu'on n'en a pas besoin. Et il y a des fonctions que je n'ai pas encore parlé. Donc copy-paste, vous vous en doutez, c'est pour copier un élément puis le coller. Voilà. J'ai de nouveau ma barre. Donc elle s'appelle aussi patte à endroit, il faudra le modifier évidemment. C'est parce que voilà. Le plus intéressant, ça va être load texture. Donc ce qui nous permet d'avoir un rendu depuis Tekn et pas depuis Tekn, voilà. De pouvoir voir à quoi ressemble notre mode. Donc on fait load texture. Et on va load la texture qui est appropriée. Donc c'est-à-dire la texture modeldog.png. Voilà. Donc du coup là, bon évidemment j'ai pas mis de texture, du coup c'est les trucs de base. Petite précision pour. Pour ceux qui n'auraient pas compris, donc c'est pas forcément très intuitif. Là, bon, là, normalement, c'est pas très beau. Mais normalement, il y a des lettres, donc c'est T, donc c'est top. Et ça veut dire que c'est le dessus, par exemple. Le vert, c'est le dessus. Et le dessous. Donc le vert foncé, c'est dessus. Et le vert clair, c'est le dessous. Bleu, pour le bleu, c'est pareil. Bleu foncé, c'est à droite. Bleu clair, c'est à gauche. Bon, voilà. Donc voilà, on a exporté notre texture et voilà à quoi il ressemblera au jeu si avec les modifications que j'ai fait, je le mets. Donc évidemment c'est très moche, vous pouvez faire de meilleures textures. Et tout, donc voilà. Alors c'est la fin de la partie du tutoriel. Donc on va se quitter là-dessus. Juste avant, petite précision. Là je me... Sur le site de départ, juste sur le site de Tekn Online. Donc c'est-à-dire qu'on... Donc Tekn Online, il y a une panel qui s'appelle... On peut browse. Voilà, si on va ça, et donc il y a un panel de plusieurs modèles techniques qui ont été faits par des inconnus, enfin voilà, par des gens qui ont décidé de le partager. Donc par exemple, vous pouvez télécharger le modèle Tekn de ce magnifique, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, magnifique animal qui, franchement, c'est une très belle réalisation. Donc on peut le voir in-game, comment ça rend.
Bon, il est vachement beau. Donc, vous pouvez le télécharger et ne pas être obligé de faire le vôtre, parce que c'est peut-être pas forcément facile. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas le coup de main, ou même c'est plutôt compliqué quand même hein, quand on veut faire de quelque chose de beau. À savoir que le fichier techne, on peut l'enregistrer. Donc là, je l'ai pas enregistré, je l'ai supprimé parce que c'est un film plutôt moche, voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Donc, la vidéo dure 15 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc, j'espère que vous continuerez à suivre les tutoriels d'Ironcraft et je vous dis à plus. Alors sachant que pour ceux qui veulent, parce que là on a fait juste le tutoriel pour tech, mais ceux qui veulent mettre par exemple cet animal en jeu, il faudra suivre le tutoriel d'Ironcraft sur comment créer un mob complexe. Allez, à plus.